commençons cette présentation de la Lectio Divina. Elle a comme but de nous expliquer comment faire pratiquement une Lectio Divina. D'abord, essayons de voir ce qu'est la Lectio Divina. La Lectio Divina est une manière efficace d'écouter le Christ nous parler au quotidien. Donc de profiter de cette grâce énorme que le Christ nous fait, à partir du moment où il est ressuscité, il est présent parmi nous et il nous adresse la parole au quotidien. Trop souvent nous pensons que Dieu est silencieux, mais en fait ce n'est pas vraiment l'affirmation chrétienne. Le Christ dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps » et donc « Je viens à votre rencontre et je veux vous parler ». Donc la Lectio Divina va nous permettre d'écouter de manière efficace le Christ, de le rencontrer en tant qu'il nous parle. Donc on dit souvent que le Christ nous aime, la première manière avec laquelle il nous aime, c'est de justement nous parler. Quand on aime quelqu'un, bien on lui parle, on n'est pas muet, on exprime cet amour-là. Voilà. Nous passons donc à la diapo suivante. La Lectio Divina est une opération d'incarnation de la parole en nous. Elle est capable de nous transformer, donc cette parole que le Christ veut nous donner est capable de nous transformer. Elle transforme l'homme ancien, comme dit saint Paul, en homme nouveau. Et bien, pas à pas, chaque jour, nous faisons un pas. Et cette parole brûle une partie de notre être, le transforme en Christ. Voilà, donc il est très important de savoir pratiquer la Lectio Divina, justement pour que l'incarnation de cette parole quotidienne puisse avoir lieu en nous et qu'elle puisse transformer par l'Esprit Saint une partie de notre être tous les jours. Comme dit l'Évangile, à chaque jour suffit sa peine. Eh bien, la peine, ce n'est pas une peine de souffrance, c'est un effort de transformation. Chaque jour, la mesure, je dirais, de la vie chrétienne, c'est la journée. Et la journée, eh bien, il y a un pas à faire, il y a une transformation à vivre au quotidien. Et la Lectio Divina, bien, nous permet de réaliser cette part de transformation de notre être. Et comme le dit le texte, eh bien, elle est capable de nous transformer et de faire croître en nous l'homme nouveau. Nous passons donc à la diapo suivante. La Lectio Divina est comme une petite annonciation où, comme Marie, par Marie et avec Marie, nous sommes invités à recevoir chaque jour une parole du Christ qui est capable et qui est appelée à s'incarner en nous. Eh bien oui, la Lectio Divina, je dirais, trouve sa réalisation, je dirais, la plus parfaite, la plus plénière dans l'Annonciation, puisque dans l'Annonciation, eh bien c'est toute la parole de Dieu qui va s'incarner. Par contre, il est vrai, au quotidien, ce n'est pas toute la parole qui va s'incarner en nous, c'est une bouchée, c'est un repas, c'est la parole qu'il veut nous adresser aujourd'hui. Donc c'est pas tout le Christ, mais c'est quand même le Christ, c'est une parole qui sort de sa bouche, toute pleine de feu, et est capable de nous transformer. C'est pour cela que nous regardons l'Annonciation, nous regardons Marie à l'Annonciation comme un, je dirais, le type parfait, l'archétype, eh bien, de l'écoute, et c'est comme elle, par elle. Alors que veut dire par elle, par Marie? Eh bien tout simplement, nous demandons son aide, nous souhaitons être comme elle, comme la bonne terre de la parabole du semeur, dans Matthieu 13, cette parabole, eh bien, nous montre la bonne terre, cette terre qui est capable d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, puisque la semence, dans la parabole du semeur, c'est la parole de Dieu elle-même. Eh bien, nous regardons Marie, nous la contemplons comme la bonne terre, celle qui est capable d'engendrer, celle qui est capable
d'accueillir toute la parole et de la mettre en pratique et de donner des fruits. Hein. Ben, c'est très important que la parole puisse donner un fruit, se transformer en nous, transformer en nous et devenir aussi un être vivant capable d'agir en Christ. Hein, voilà. Donc nous regardons Marie comme l'exemple parfait du fidèle du Christ et nous demandons au Seigneur, nous demandons à l'Esprit de faire que notre cœur devienne comme le sien, capable d'accueillir le Christ. C'est ce que dit l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Il dit une parole très belle. Il dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai ce cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, afin que vous puissiez écouter justement ma parole. Il dit pas, il le dit pas dans le texte, mais c'est implicite, hein, et c'est ainsi qu'il le donnera son esprit, qu'il mettra son esprit dans ce cœur nouveau. Eh bien, il enlève un cœur de pierre, hein, qui est le cœur de l'homme ancien, et il donne un cœur nouveau, hein, ce cœur de chair, à l'image du cœur de Marie. Marie qui provient du Christ, qui sort du côté du Christ, donc c'est le cœur de Marie sort du cœur du Christ, eh bien nous souhaitons être à l'image de ce cœur-là, de ce cœur de Marie. Hein, c'est donc dans ce sens-là que nous disons comme Marie, par elle, donc par sa prière, nous demandons à l'Esprit Saint de faire que notre cœur soit comme le sien, et avec elle, eh bien, nous accueillons le Christ. Elle est celle qui a pu accueillir le Christ en plénitude. Eh bien, nous demandons au Seigneur de nous donner cette pureté, cette capacité d'écoute qui est celle de Marie, afin, d'une certaine manière, de devenir, je dirais, une Marie vivante pour le Christ. Voilà, donc nous sommes invités à recevoir chaque jour une parole du Christ qui est appelée à s'incarner en nous. Nous passons donc à la diapo suivante. La docilité de Marie, son écoute, sa réceptivité, son silence, sa diligence, hein, elle réagit à la parole de Dieu, elle ne reste pas là paresseuse, elle réagit, la parole devient action en elle. Eh bien, l'Esprit Saint agissant en elle, en pleine étude, font d'elle notre modèle pour la Lectio Divina. Elle est présente donc d'une certaine manière. Nous pouvons dire, nous pouvons affirmer que Marie est présente à toute incarnation de la parole. Chaque fois que cette bouchée qui sort, cette nourriture, cette parole que le Christ m'adresse tous les jours, chaque fois qu'elle sort de la bouche du Christ et veut entrer en moi et me transformer, eh bien, on peut dire que d'une certaine manière, Marie est présente à chaque fois que la parole va s'incarner, justement, parce que seule la bonne terre est capable d'accueillir la parole de Dieu. Et donc, elle intercède pour nous, et par sa prière, nous virginise pour accueillir la parole de Dieu avec sa fécondité, avec sa capacité d'écoute et ensuite, bien sûr, de fécondité, donner des fruits. Accueillons donc l'action de Marie en nous afin justement de pouvoir écouter. Alors, la manière qui nous est proposée dans cette présentation de faire la Lectio Divina s'appuie sur le don quotidien que le Christ nous fait de sa présence parmi nous en tant que parole de Dieu durant la messe de tous les jours. Hein. Chaque jour, il y a une messe, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, le Christ est présent. Et dans la première partie de la messe, dans la partie qui s'appelle la liturgie de la parole, ou la table de la parole de Dieu, le Christ est présent et il proclame sa parole. Il nous dit, hein, il vient exprès pour moi, pour me dire quelque chose, pour me transmettre cette bouchée de paroles, ce repas qu'il veut me donner. Et donc, par conséquent, les lectures de la messe ne sont point de simples lectures, qu'on peut même parfois lire, hein, en suivant les lectures, mais bien au contraire,
Elles sont la présence du Christ parmi nous qui nous parle personnellement. Comme dit le Christ, je suis avec vous, je suis toujours avec vous, je reste avec vous quand il est ressuscité. Il a dit même si je monte au ciel, je suis toujours avec vous, je suis présent. Et une des manières les plus importantes de cette présence, eh bien, c'est cette venue du Christ au moment de la liturgie de la parole pour nous parler. Et il y a un très beau texte, un très beau passage d'un texte du Vatican II, dans la Constitution Sacrosanctum Concilium. Eh bien, il est dit, le Christ est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Donc, cette première partie de la messe, quand on lit la parole de Dieu, eh bien, il est là, présent. Et comme nous voyons dans la diapo suivante, une image d'une première lecture, donc un lecteur ou une lectrice qui est en train de lire la première lecture, eh bien, par la voix de cette personne, eh bien, le Christ, puisque c'est la parole de Dieu qui est lue, et qui est proclamé, eh bien, le Christ est présent. C'est pour ça que c'est très important d'être attentif au moment de cette action sacrée. C'est une action sacramentelle. Sacramentelle dans le sens où la parole, le son que nous entendons est le signe palpable, puisqu'il percute notre oreille, nous entendons ce son-là. Donc c'est un signe palpable, eh bien, d'une grâce, de la parole du Christ que lui-même veut nous adresser dans notre cœur, dans notre intelligence, pour, eh bien, nous parler, nous transformer, féconder notre intelligence, motiver et infuser sa force dans notre volonté. Donc c'est très important de se rendre compte que c'est une action sacramentelle, c'est-à-dire que la parole du Christ utilise le son de la voix du lecteur, de la lectrice, pour nous atteindre et nous toucher. C'est pour cela que il est très important aussi de la part du lecteur, eh bien de bien annoncer la parole, de bien la lire, bien articuler, bien sûr les micros, les haut-parleurs, tout ça, la sono, l'acoustique, que soit claire, justement pour que il y ait moins d'obstacles, qu'il y ait plus de transparence. C'est comme un vitrail dans une église. Si le vitrail, je dirais, est sale, eh bien, on ne voit pas la lumière passer. Et plus le vitrail est limpide, et nettoyé, clair, net, plus la parole, plus la lumière va passer et va exprimer ce qu'il y a dans ce vitrail. Ben, c'est la même chose ici. Plus le lecteur, je dirais, est attentif, lit de manière posée, ni trop lent, ni trop rapide, en laissant le Christ, eh bien, justement, parler à travers lui ou à travers elle, eh bien, mieux c'est pour chacun des fidèles présents, pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Nous passons donc à la diapo suivante. Nous voyons donc quelque chose de très important, c'est-à-dire la procession de la parole de Dieu, de l'évangile, de l'évangélière. Eh bien, comme nous le voyons dans cette image est prise d'une procession à Jérusalem, dans une église, eh bien, nous voyons le prêtre tenant entre ses mains, ça peut être le prêtre, ça peut être le diacre, dans ce cas, ici présent, c'est le prêtre qui tient l'évangile, comme nous le voyons, tout revêtu de par un métal noble, élève l'évangile et passe parmi les fidèles, à travers les fidèles, jusqu'à soit l'ambon, soit l'autel, ça dépend des rites. Et nous voyons donc l'encens et les cierges pour signaler, non pas le prêtre, mais l'évangile qui est entre les mains du prêtre. Qu'est-ce que signifie cette procession-là? Nous la faisons peut-être pas trop souvent dans le rite romain latin, mais dans d'autres églises orientales, catholiques, mais orientales, cette procession-là existe. Alors, quel est le sens de cette procession-là? Elle nous envoie un signal clair, c'est un signe palpable, je dirais, du passage encore aujourd'hui du Christ parmi nous. Comme il sillonnait jadis la Galilée, la Judée, pour prêcher, pour donner sa parole,
Comme il prêchait dans divers lieux, eh bien le Christ est encore présent parmi nous. Hein. Nous ne pouvons pas dire, ah, quelle chance ils avaient d'avoir vu le Christ, de l'avoir entendu, etc. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous vivons dans le temps de la résurrection, dans le temps qui vient après la résurrection. Donc c'est le temps, c'est un temps de grâce, un temps de la présence du Christ. Et le Christ est parmi nous. Et pendant l'Eucharistie, pendant la messe, cette première partie, mais quand la procession a lieu, eh bien nous voyons le Christ passer à travers nous. Il est encore là. Et c'est lui qui sera, qui parlera à chacun de nous par la voix du prêtre, par la voix du lecteur ou de la lectrice. Voilà. Donc, comme nous voyons dans cette image-là de procession, eh bien l'encens, et c'est exprime notre manière de rendre grâce à Dieu, de rendre grâce au Christ qui est encore présent parmi nous, qui sillonne nos villes, nos villages, nos églises, qui est présent encore par sa grâce. Et les cierges présents pendant la proclamation de la parole, mais aussi pendant la procession, dans cette image, eh bien, les cierges, par leur lumière, signalent la présence du Christ qui est notre lumière et la chaleur qui, eh bien, transforme, brûle et transforme notre volonté. Nous passons donc à la diapo suivante, où nous voyons donc le prêtre proclamer l'évangile. Toujours, nous voyons dans ce cas-là les deux cierges allumés, tenus par ces enfants de cœur, eh bien pour signaler la présence du Christ. Hein. Et c'est pour cette raison-là que pendant la proclamation de l'évangile, on ne dit pas lecture de l'évangile, on dit proclamation de l'évangile. L'évangile est proclamé. C'est un acte sacré, c'est un acte sacramentaire, parce que le Christ est présent et c'est lui qui, en utilisant la voix du prêtre, dans ce cas-là, c'est le prêtre, ça peut être aussi le diacre, eh bien, il passe et nous parle et nous communique sa parole dans notre cœur. C'est pour cela que nous sommes appelés à être très attentifs et c'est pour cela aussi que nous sommes debout. Nous nous mettons debout durant la proclamation de l'Évangile, justement parce que le Christ est présent, parce que le ressuscité est présent et c'est lui qui parle. Nous le voyons de nouveau dans la même citation que nous avons eue tout à l'heure. Hein. Le Christ est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église, tandis qu'on proclame dans l'Église, eh bien, la parole de Dieu. Et c'est pour cela que quand l'Évangile, le prêtre a fini de proclamer l'Évangile, parfois, il élève l'Évangile, hein, proclamons la parole de Dieu, hein, nous répondons, louange à toi, Seigneur Jésus. On ne dit pas louange à toi, Père X ou Père Y, on dit louange à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es là, c'est toi qui nous as parlé, tu nous as fait don de ta présence, et nous te rendons grâce pour cela. Et ensuite, le prêtre embrasse, baise l'évangile, et justement par signe d'action de grâce, de gratitude et d'amour, de vénération pour le Christ qui a donné sa grâce, qui vient de communiquer sa grâce. Nous passons donc à la diapo suivante. Donc l'Alexio, cet exercice que l'on peut réaliser à la maison, dans le silence de notre chambre ou de notre lieu de prière, eh bien, l'Alexio est notre manière de ne pas laisser cette parole que le Christ vient nous donner à chaque Eucharistie, hein, dans chaque messe, c'est notre manière de ne pas laisser cette parole tomber sans féconder la terre de notre être. Donc, nous nous rendons présents à cette parole-là. Ce serait souhaitable que nous fassions cela pendant la messe, hein, donc que nous puissions, je dirais, écouter, digérer, laisser la parole agir en nous. Donc c'est une œuvre de manducation, c'est manger la parole, mastiquer la parole, digérer, hein, reprendre, ruminer la parole, hein, eh bien, afin qu'elle donne tout son effet, qu'elle se transforme en homme nouveau en nous, qu'une partie de notre être, eh bien, soit transformée en Christ. Eh bien là, l'Alexio va nous permettre justement de réaliser ce travail-là.
C'est un travail qui normalement pourrait être fait pendant la messe, eh bien, vu qu'il n'est pas toujours fait, hein, et nous essayons de reprendre ces instants-là, hein, ce sacrement que nous avons reçu, afin qu'il ne parte pas, je dirais, dans le vide, sans réception, hein, qu'il n'y ait pas un émetteur, c'est-à-dire le Christ, et sans récepteur. Il n'y a personne, il n'y avait personne pour accueillir la parole. La grâce a été donnée, et puis bon, elle est partie. Personne ne l'a prise. Et comme dit saint Augustin, je crains la grâce qui passe et que je n'accueille pas. La grâce passe tous les jours, elle passe devant moi, elle passe devant ma porte. Mais est-ce que je l'ai attrapée et je l'ai fait rentrer ou non? Et ça dépend de moi, ça ne dépend pas du Christ. Le Christ est là, il fait tout ce qu'il peut, mais c'est à moi donc ensuite de l'accueillir, d'accueillir cette parole-là. Et donc la lectio divina, c'est l'effort, c'est l'espace, c'est le temps que je vais offrir au Christ, c'est cette maison intérieure, cet accueil, cette hospitalité intérieure que je vais réaliser, par la grâce de Dieu, évidemment, afin que le Christ soit accueilli, afin que sa parole soit accueillie et qu'elle puisse donner un fruit aujourd'hui. Chaque jour, il y a une bouchée, chaque jour, il y a un repas, chaque jour, il y a un travail, chaque jour, il y a un pas de transformation à réaliser. La lectio divina, donc, est la manière de personnaliser et d'intérioriser cette grâce que le Christ nous donne chaque jour, hein, de venir nous parler. Elle est donc tout simplement, comme dit le Christ, quand il résume, je dirais d'une certaine manière, l'évangile, qu'est-ce que l'évangile? Eh bien, c'est tout simplement, hein, je dirais, si on veut résumer tous les conseils que le Christ nous donne dans l'évangile, on peut d'une certaine manière les résumer ainsi. C'est écouter la parole du Christ et la mettre en pratique. Hein, mettre en pratique ce qu'il nous dit. Eh bien, la lectio divina, ben, voilà, elle va droit au but, elle nous permet d'écouter, nous apprend, hein, c'est l'espace, c'est le temps que nous allons prendre justement pour écouter et surtout aussi, non seulement pour écouter, mais pour mettre en pratique. Hein. L'obéissance est une écoute et une mise en pratique, ce n'est pas une écoute simplement, c'est une écoute active, c'est une écoute qui met en pratique, pardon, ce qui est dit. Voilà, nous passons donc à la diapo suivante. Alors, si dans les diapos qui vont suivre, eh bien, nous allons voir ensemble les trois parties qui composent la lectio divina, hein, ce temps que nous allons essayer de donner tous les jours au Christ ressuscité afin qu'il puisse nous parler. Hein. Sinon, Dieu reste un Dieu silencieux. Et si on prend le temps, eh bien, il va ainsi pouvoir nous parler. La lectio, c'est une manière de lever la main de sur la bouche du Christ afin de lui permettre de parler, hein. Ouvrir. Je dirais les deux lectures du jour, ou les trois lectures dans le cas du dimanche, eh bien, c'est comme ouvrir la bouche du Christ, lui permettre, eh bien, de s'exprimer, mais de s'exprimer pour me parler à moi aujourd'hui, comme s'il n'y avait que moi pour lui. Hein, je suis un être unique aux yeux du Christ, eh bien, prenons au mot, eh bien, cet amour du Christ et ouvrons la parole, les lectures du jour. Et cette présentation, eh bien, se divise donc en trois parties. Une partie qu'on va appeler préparation, entrée, l'entrée en matière. Ensuite, une partie centrale qui est je dirais, le travail, hein, le travail, le travail sur soi, qui est l'écoute. Et ensuite, une dernière étape que l'on intitule, qu'on appellera ici, donc la réalisation. Bon, nous passons donc à la vidéo suivante.